Alléluia. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Alléluia. Le message de la résurrection ne peut que rendre heureux, n'est-ce pas? C'est une excellente nouvelle. Alléluia. Merci Seigneur. Comment activer la puissance de la résurrection? Lisons, commençons dans Philippiens 3, 8 à 9. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset, jusqu'au verset 24e. 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Précision. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai au corbeau. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pas n'importe où, n'est-ce pas? Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Mais il avait de l'eau. Donc les corbeaux n'avaient pas besoin d'emmener de l'eau. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Ce que Dieu ne te donne pas, c'est ce que tu as déjà. Ça, c'est la première parole de connaissance. Verset 7. « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Et Élie cria à Dieu, « Seigneur, je n'ai plus d'eau à boire. » Hein? Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. » Demeure, vous entendez? Demeure. Donc il faut qu'il y ait une demeure là-bas. « Voici, j'y ai ordonné, comme je l'avais fait au corbeau. Cette fois-ci, c'est à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Quand tu as une expérience avec Dieu, que tu as une histoire et que ça a déjà marché, l'obéissance devient facile. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ok. C'est quel verset? 10. Il se leva, merci. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Précision. Et il alla
Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Le prophète est sage. Il teste pour voir si c'est la bonne personne.